Bonjour, mon nom Claude Landlois, fier habitant de Notre-Dame de Ham. Alors, pour moi, le 13 juillet 48 marque le début de mon histoire. Et puis, de cette petite maison-là, pendant une quinzaine d'années, ça a été ma place principale, l'endroit où ce que j'ai appris à apprendre, dans un premier temps, de mes parents. Si on parle un peu de mes parents, bien, mon père était quelqu'un d'une force de la nature, comme ma mère. Deux personnages vraiment là, hors normes. Était née, ma mère était la plus vieille d'une famille de 10 enfants, elle aussi. Elle avait 19 ans quand je suis né. Alors, c'est quelqu'un qui a commencé jeune à travailler puis à apprendre le métier de la vie là, ici. Mon père était une force de la nature, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui était fort d'un bras puis fort dans la tête, quelqu'un de gros bon sens. Je retiens de mon père que c'était un gros travaillant. L'été, c'est-à-dire le printemps, il avait trois jobs. Il s'occupait ici de la ferme, de la sucrerie, transport d'écoliers pendant une vingtaine d'années, plus travailler au moulin assis pendant deux, trois mois. Alors, les journées pour lui, c'était comme pour ma mère, c'est de 6 heures le matin à aller à 10 heures le soir. Je me souviens très bien que c'était le cours normal ici, d'une clarté à l'autre et un petit peu plus. C'est un genre de centre de formation ici. Nos parents nous ont appris à écouter, à être disciplinés, à être tough, à être fort. Mon père voulait des gens faits forts. Il nous a fait des caractères. On est 10, je suis le plus vieux de 10 enfants. Et puis, il n'y a pas de mauviettes dans la gang. C'est tous des gens qui ont fait leur marque dans où est-ce qu'ils sont passés pendant toute leur vie. Et puis, bien fier de toute ma famille. Ça a été une belle période de ma vie ici d'apprendre ce que j'ai, qui m'a servi toute ma vie. Ce qui s'est passé ici, là, c'est ça m'a servi tout au long de ma vie. Quand les moments étaient difficiles, je pensais à ici, est-ce que c'était plus difficile? La réponse, c'est oui, oui. En campagne, il fallait être fait fort. Puis il n'y avait pas grand-chose qui aurait pu nous arrêter ici en campagne. Alors, quand c'était notre tour d'aller travailler en ville, bien, on a gardé cette mentalité-là de caractère, de leadership, de quelqu'un qui, tu sais, on va s'arracher dans la vie, là, c'est certain. Vers l'âge de 15-16 ans, ben, nos parents, mon père surtout, nous ont fait comprendre qu'avec une petite maison comme ici, où il y avait seulement 4 chambres, qu'on dormait 2-3 par lit, qu'à un moment donné, il faudrait que les plus vieux, ça serait une bonne idée de commencer à déployer nos ailes pour s'arranger. C'est là que j'ai commencé à travailler les étés, manufacture de boîtes à fromage ici à Notre-Dame-de-Ham. Au début d'août, aller jusqu'à la fin septembre, ben on s'en allait à Simcoe, Ontario, 150 000 à l'ouest de Toronto, pour aller cueillir le tabac, récolter le tabac. Vraiment une période où ce que là aussi c'était fait pour les grands garçons, disons. C'était une période où ce que un moment de notre vie où ce que là on était laissé à nous-mêmes. Il fallait faire la run pour deux raisons. On ne voulait pas revenir ici parce que notre père nous aurait mal reçus. Et puis l'autre raison, ben, c'est que ça prenait 20 piastres pour revenir, puis on ne l'avait pas, malheureusement. Alors, pour les deux raisons-là, on t'a fait la run, puis on revenait avec notre petit magot. 350, 400, 450, tout fier en revenant. Gardez bien, gardez le mouton que là, voilà. On était fiers de ce qu'on avait accompli. Alors ça a été une période qui s'est répétée pendant 5-6 années. Toutes les années, j'avais le goût, avec mon frère, de retourner là-bas, puis faire la ronde, puis revenir, commencer l'école en retard. Mais on avait assez de talent pour récupérer. En tout cas, la maîtresse nous donnait des chances, probablement, mais ça a fait en sorte qu'on a quand même réussi à passer à travers nos études quand même. Alors, c'est ici,
l'école primaire, le couvent qui a été bâti en 1959, que je suis arrivé ici en sixième année. J'ai fait la sixième et septième année ici, dans ce couvent-là. Deux anecdotes qui me reviennent quand je vois ce couvent-là. Ben, j'ai eu comme institutrice une vieille maîtresse d'école qui faisait une trentaine d'années qu'elle avait enseigné à tous les gens du village. Elle avait fait des prêtres, des notaires. Fait que c'était quelqu'un qui avait une réputation, comme tous les gens de caractère. Pour les gens, étaient bien bonnes, pour d'autres, c'était moins bon. Puis les parents bien, étaient d'accord avec les enfants qui étaient moins bonnes, puis les plus bonnes. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que, par après, c'est que ceux qui avaient moins de misère, ceux qui avaient plus de facilité à apprendre, bien, c'était des gens que ça donnait très bien avec eux autres. Ceux qui avaient plus de difficultés, bien, regarde, on dirait qu'ils avaient moins de temps disponible pour ces gens-là. Ici, l'autre événement qui m'a marqué, c'est que le 22 novembre 1963, je me rappelle encore comme c'était hier ici, à 4h30 de l'après-midi, on a appris la mort de John F. Kennedy. Ça a été un événement marquant dans ma tête qui a fait en sorte que j'ai lu toute l'histoire de John Kennedy dans cette période-là. On était abonnés, nous autres, au journal La Tribune de Sherbrooke. Mon père lisait beaucoup le journal, alors j'avais pris connaissance de toute l'histoire de John Kennedy. Ça m'avait impressionné de voir jusqu'à quel point il y a des gens qui changent le monde puis qu'on reconnaît. Pour moi, là, ça m'a permis de commencer à dire mes lectures vont être des biographies. J'ai aimé l'histoire de John Kennedy, puis après ça, bien, j'en ai lu des histoires de grands hommes. La sœur et mon mari, qui était la directrice d'une congrégation de Sherbrooke, et qui était la directrice ici, elle m'avait enrôlé avec des, entre autres avec les frères Maris, des gens qui faisaient du recrutement pour la relève au niveau des frères, puis faire des études classiques pour devenir des gens instruits. Puis ce qui m'a amené, après, à la septième année, à Rock Forest, au Juvena Champagna. Là, ça, c'est un endroit où je me suis ennuyé, mais c'est pas possible. C'est pas possible comment je me suis ennuyé à cette place-là. Toute ma vie, j'en ai eu des moments où c'était plus dull, plus tranquille, mais là-bas, là, ça a été assez effrayant. Au bout d'une semaine, je demandais, parce que moi, là, avec la grande famille chez nous, avec la plupart, c'était des gens de la ville, moi, petit gars de la campagne, jouer dans le bois. Ça ne m'intéressait pas plus que ça parce qu'on a passé notre vie ici dans le bois. Alors, j'écrivais à mes parents. Dans ce temps-là, ça prenait une lettre, un time, une semaine de back and forth, de se promener. Ça a fait en sorte que, après trois semaines, la dernière lettre que je les ai envoyée, qu'ils ont reçue, c'était, regardez, si vous ne venez pas me chercher, bien moi, je prends des couvertures, des couvertes et du deuxième étage dans la nuit, puis je vais me sauver d'ici, puis je vais aller travailler comme bûcheron au lac Saint-Jean, avec des gens de la place que je connaissais, qui avaient une vingtaine d'années, puis que, bon, c'est des gens qui bûchaient. Alors, j'ai dit, mais alors, cette lettre-là a eu des conséquences. Ça n'a pas été long que mes parents ont pris ça au sérieux, qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils sont venus me chercher. Je me souviens d'avoir embarqué avec mes valises dans le char, pas un mot, puis revenir ici, à l'école, rencontrer la sœur et mon mari, puis lui dire, regardez, je peux-tu recommencer l'école? On est rendu quand même encore en fin septembre. Et puis, oui, elle a accepté, sauf que ma relation avec sœur et mon mari a été vraiment affectée, là. Elle ne me voyait plus comme un futur curé, évêque, je ne sais pas ce qu'elle me voyait, mais vraiment plus dans cette direction-là. Alors moi, comme un bon petit garçon, ben j'ai gardé ça très low profile. Disons que je me suis tranquille, puis j'ai été bien studieux, bien gentil, jusqu'à la 9e année, où ce que là, ça a été le temps d'aller à une autre école, parce qu'ici, ça fermait en 9e année. On est déménagé à l'école à Amnord. Alors, on est parti pour Amnord pour faire la 10e, 11e année. Alors, voilà, nous voilà en avant de l'école secondaire Notre-Dame du Perpétuel Secours à Amnord, une dizaine de minutes de Notre-Dame de Ham. C'est ici que j'ai fait mon secondaire 4 et secondaire 5.
Quand je repasse ici, en avant de cette école-là, ben deux bons souvenirs me viennent à l'esprit. La première, c'est ici que j'ai... Tu sais, vous savez, dans la vie, nos éducateurs sont bien importants. L'éducation, c'est faite à partir des parents et des éducateurs. Il y en a quelques-uns qui sont plus remarquables que d'autres. Pour moi, le professeur Carrier a été quelqu'un qui a vraiment m'a marqué. Dans le sens que c'est un personnage qui ressemblait, pour moi, à 16-17 ans, un homme, ça ressemble à ça. Quelqu'un qui imposait la discipline, quelqu'un qui se tenait droit, je dirais pas gros et grand, là, ça va de soi que ces gens-là, puis rasés, pas les cheveux très courts sur la tête, puis savait imposer le respect de ses élèves. C'est quelqu'un que on n'aurait jamais osé critiquer, parce qu'on avait l'impression qu'il aurait pu tout savoir, lui, là. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Dans tous les professeurs que j'ai eus, c'est, je dirais, le plus marquant. Peut-être à cause de l'âge que j'avais à ce moment-là, puis, mais ça a fait que dans la vie, que j'en ai pas rencontré souvent des plantés comme ça, là. Fort ici, sûrement fort là. Il y avait tout ce que ça prenait pour moi me faire une image que si on veut devenir quelqu'un dans la vie, c'est comme ça qu'on doit le faire. La deuxième raison, qui est aussi importante, bien, c'est la place où j'ai rencontré ma blonde. Ma première blonde ici. Mon Dieu, ma belle Lise D, qu'on va l'appeler. Ça n'a pas été long. On a commencé, on était dans la même classe naturellement, 25 élèves probablement. Et puis, quand on travaillait en groupe, bien, c'est sûr qu'on collait nos pupitres un à côté de l'autre. Et puis, on avait beaucoup d'affinités à challenger pour dire, regarde, moi, je pensais comme ça, c'est comme ça. Puis, Lise était quelqu'un d'une première de classe. Puis moi, à Notre-Dame, j'étais bon aussi. Mais Notre-Dame, en Nord, deux places différentes, on se mesure. Puis moi, je suis quelqu'un qui est compétitif dans la vie, là. J'ai toujours été compétitif. Alors, je voulais me montrer à la hauteur, puis ben j'ai tout fait ce qu'il fallait pour me montrer à la hauteur, mais ça a déclenché ce que j'appellerais le béguin. Oui, le béguin. Alors, on a commencé à sortir ensemble dans les salles paroissiales, à des noces à l'occasion, à se promener le vendredi soir, main dans la main. On comprend qu'on est en 66, 67. C'est pas la jeunesse des années 20-20, là. On s'entend que juste se promener par la main, c'était pas mal osé. Mais quand c'était blonde, c'était permis. Alors, je garde un très bon souvenir de cette époque-là. C'est un temps où ce que qui m'a formé, entre autres, à voir qu'est-ce qu'un homme ressemblait, à ce que c'était que de perdre sa blonde à un moment donné. Parce qu'il faut dire que après le secondaire 4, naturellement, je suis allé au tabac encore. Bien là, je suis retourné travailler dans un champ de tabac. Et puis, début d'août jusqu'à la fin septembre. Mais quand je suis revenu au mois de septembre, malheureusement, elle avait probablement trouvé quelqu'un de plus beau, plus gentil, qui avait probablement d'autres qualités que les miennes, parce que je savais que j'en avais, mais l'autre en avait probablement plus. Ça a fait en sorte que nos chemins se sont séparés, puis moi, ben, je suis revenu, puis elle avait pris la direction de l'hôpital d'Arthabasca pour étudier comme infirmière, puis moi, ben, je me suis en été vers l'école d'art et métiers à Victoriaville pour étudier comme technicien en électricité. J'ai de la misère à m'en souvenir parce que c'est un domaine que j'ai étudié et que j'ai choisi dans l'espace d'à peu près une demi-heure. On m'a donné à peu près une demi-heure pour me dire « C'est quoi que tu veux faire? » Compte tenu que j'arrivais trois semaines en retard, puis là que le directeur de l'école... de métier qui était M. Trottier. Il dit, regarde, t'es en retard, c'est quoi tu veux apprendre? Mécanique automobile, mécanique diesel, électronique, plomberie. Ben là, j'ai dit, regarde, moi, là, pff, là je me pousse, je cherche dans la tête, qu'est-ce que j'aime. Ben, j'ai dit, j'aimais bien la physique. E égale RI. Et ça, j'aimais ça, là, apprendre des formulaires, des formules comme ça. Puis ça correspondait un peu à l'électricité. Et puis, bon, ben voilà, j'ai choisi ça. Mais il faut que je vous dise que
c'était vraiment pas mon bag, par exemple. J'ai passé 3 ans à étudier dans ce domaine-là, simplement pour aller me chercher une licence C, qu'on appelle. Une licence qui me permettait, en finissant l'école, ben j'aurais un diplôme de technicien en électricité, ce qui me permettait, pour les années 70, à aller travailler à Beijing. Ça avait été dans ma tête, ça, éventuellement, on va aller travailler à Beijing. La raison principale, c'est que c'était 2 fois plus payant aller travailler à la Beijing que de travailler à Montréal. L'argent, pour nous autres, compte tenu qu'on n'avait pas connu beaucoup dans notre enfance, on respectait beaucoup ça, le faire attention, l'argent est rare, puis attention. Alors, je voulais qu'à un moment donné, on en fasse. Qu'on réussisse bien dans nos, pour gagner notre vie. Puis une chose que notre mère, j'ai peut-être oublié, qui nous répétait constamment, c'est « En way, t'es capable. » Alors, toutes les fois qu'on avait un défi devant nous autres ou quelque chose, ça nous le disait moins, puis il me semble que ça n'avait pas de bon sens, bien, ma mère était là « En way, t'es capable. » Encore là, c'est quelque chose qui a rentré dans la tête et puis que, dans ma vie, quand je voyais des obstacles se présentaient, des affaires qui n'avaient pas de bon sens, pas donc les gens disaient « Regarde, c'est impossible », bien moi, ça me ressonnait dans la tête « En way, t'es capable. » Bien voilà, j'ai vécu avec toutes les capacités que j'avais, mais ils m'ont été inculqués par quelqu'un, puis entre autres, bien c'est sûr que ma mère a martelé ça fort dans ma vie pour « Regarde, t'es capable, en way. » Si on revient ici, à l'école secondaire, ben voilà, il y avait une annexe qui n'existait pas dans le temps. Naturellement, Amenard est un petit village qui est très autonome. Les gens s'arrêtent par eux-mêmes. Fait qu'il y a eu une relève à cette école-là. Il y a une école primaire à côté maintenant, là, qui est installée depuis une dizaine d'années. Mais ça, c'est au moment où ce que moi je suis passé ici, ça n'existait pas. Alors, c'est ça qui s'est passé ici. Un petit bout d'histoire. Alors, au mois de juin 1969, j'ai mon diplôme de technicien en électricité, diplômé de l'Institut de technologie de Trois-Rivières, qui deviendra le Cégep l'année d'ensuite, Cégep de Trois-Rivières. Alors, le 9 juin, j'arrive à Montréal. C'était la 2e fois de ma vie que j'étais allé à Montréal. En 67, pour aller faire un tour à l'Expo 67, puis suite à ça, je m'en vais pour me trouver un job avec un de mes amis qui s'appelle Michel Massé. Michel avait étudié en électricité comme moi. Lui, il voulait travailler à l'hydro. Mais moi, je voulais aller à l'hydro aussi, mais aussi aller au Bell. On choisissait des grandes entreprises parce qu'on nous avait appris ici en campagne que si tu veux réussir dans la vie, va travailler à Montréal pour une grosse compagnie où ce que c'est les Anglais qui mènent, et puis tu vas bien réussir, tu vas avoir une job garantie à vie, puis ça va être le bonheur total. Parfait. Alors, j'ai choisi Bell et Hydro. Bell était exclusif dans ce qu'il faisait, puis Hydro, ben moi, c'était là pour aller travailler à Beijing. Alors, on a fait application le même matin, tous les deux, chez Bell. Tous les deux, on est allés chez Hydro. Et puis le lendemain, Bell Canada m'a appelé. On voulait vous avoir, M. Langlois, pour une entrevue. On a peut-être quelque chose pour vous. Alors, j'ai passé l'entrevue, puis on m'a engagé comme collecteur dans les boîtes téléphoniques. Aller ramasser l'argent dans les boîtes téléphoniques. Coin collector. Alors, j'avais un job. 100$ par semaine, 2 fois moins qu'à Beijing, mais j'avais un job. Puis le lendemain, mon chum a été appelé, lui, par Hydro-Québec, qui a travaillé à Boucherville un bout de temps, puis bon, lui fait son chemin de ce bord-là. Alors moi, chez Bell, j'ai été 7 ans, là, 7 années. Une année à ramasser l'argent de la boîte téléphonique, connaître Montréal, puis ça a été toute une expérience. Une chance que j'ai ramassé, je me suis développé des amis très rapidement, qui travaillaient au Bell, eux autres, depuis longtemps, puis qui m'ont montré comment faire les choses. Et puis qui m'ont surtout appris que, regarde, casse-toi pas trop la tête, au Bell, là, on va te donner une chance. Les boss sont pas durs, puis
on va bien s'entendre. Fait qu'on m'a montré comment la ville fonctionnait. J'ai commencé à Ville-Saint-Laurent, où à ce moment-là, la ville était comme un quadrilatère. Là. C'est comme ça que j'ai appris la ville de Montréal à ramasser l'argent de la boîte téléphonique. Et puis, je me souviens, entre autres, d'avoir travaillé dans le Chinatown. Moi, là, ici, à Notre-Dame-de-Hame, j'avais jamais rencontré un Chinois de ma vie. Là, j'étais noyé dans le Chinatown, sur la gauche de Saint-Laurent, un petit peu. C'était pas évident pour moi. Quand on vient de la campagne, on a un bon sens de l'orientation. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, on se décortique assez bien avec ça. Mais dans le Chinatown, oublie le nord, le sud, puis l'ouest, c'est tout pareil, c'est tout mêlé. Alors, j'étais un peu découragé les premières semaines que j'ai travaillé. Là, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben là, je m'en vais chez nous. Je retourne en campagne, ça n'a pas de bon sens. Fait, je suis parti, puis je suis retourné au bureau à 11 h le matin, c'est deux semaines de travail. J'ai dit, regarde, moi, là, je suis tout écarté, ça m'écœure, je suis pogné, puis je suis stressé à mort. Je dis, regarde, là-bas, c'est dit, regarde, énerve-toi pas avec ça, là. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas y réussir. OK, ça marche. Bon, parfait. Alors, on m'a redonné une route encore plus facile. Puis éventuellement, je suis assez bon que 6 mois après, j'avais mon pocket number pour chauffer le taxi Diamond à Montréal. C'est incroyable. En dedans de 6 mois, je connaissais très bien la ville de Montréal assez pour passer mon permis de conduire. Et puis là, j'ai commencé à travailler 2 jobs. C'est-à-dire le bel 40 heures par semaine, plus l'overtime. Puis le jeudi soir, vendredi soir, samedi, je faisais du taxi. Je louais un taxi là, chez des Polonais là, au coin de Saint-Urbain, puis dans le bas de la ville, on va dire. Là. Et puis, bon, ben, je faisais avec des bazous, là, on faisait du taxi. Je faisais 2 jobs. J'aimais beaucoup faire du taxi, puis j'aimais ça au Bell aussi. Au Bell, après un an, on m'a transféré au 620 Belmont, au centre-ville. Là, c'est vraiment le milieu le plus stratégique de Bell. Toutes les lignes passent là. C'est très, très sécurisé. Alors, on rentrait comme en prison. Je dis ça parce que au 6e étage, il y avait des barreaux dans les fenêtres pour faire en sorte que, tabarouette, si la ville est attaquée, bien, on est dans la forteresse. Alors, je travaillais comme vérificateur de ligne. Le département Computer Communication. Tout se passait pas mal en anglais au Bell. Et puis, ma fonction principale, c'était de vérifier les lignes longue distance. Disons une ligne que Dominion Textile pouvait avoir à Montréal, puis, avec leur bureau de Toronto. La ligne, si elle brisait, bien, c'était à moi de détecter à quel endroit était le problème, puis tout ça. Une compagnie comme, je sais pas moi, CIL, qui avait un bureau à New York. La ligne entre Montréal et New York, bon, on pouvait faire des affaires. Naturellement, mon expérience au tabac d'anglais m'avait permis d'obtenir cette job-là. On m'a demandé s'il était bilingue. Et puis, bon, ben, regarde, comme tous les gens qui ne sont pas bilingues, ben, yes, I am, you know. Je venais à bout de passer mon anglais, qui était moyen, à beaucoup mieux à travailler seulement en anglais avec Obel. J'ai été 6 ans dans ce département-là. Je dirais 4 ans très heureux, puis 2 une année médiocre, puis une année malheureuse. Moi, qui est habitué en campagne, qui a toujours voulu aimer les grands espaces, puis avoir de l'air, je ne me reconnaissais plus au centre-ville de Montréal. J'avais demandé aux Belles de me transférer sur la rive sud, travailler dans les poteaux de téléphone s'il faut, mais regarde, sortez-moi dehors, moi je suis capable d'en dedans. Puis, compte tenu que j'avais beaucoup d'expérience, parce que c'était habituellement une place de passage. Les gars faisaient 3 ans, 4 ans, puis ils s'en allaient soit à l'engineering, soit à un autre département, une promotion first line, second line. Il y avait des promotions partout. Mais moi, j'étais condamné à rester là, parce que j'étais toujours disponible. 410 heures par année d'overtime que je faisais. C'était le maximum permis, puis c'était le maximum que je faisais. Fait que des Noël, des jours de l'an, j'en ai passé là-bas. Des 16 heures, j'en ai fait en main. Puis je faisais du taxi. Puis quand que le taxi, ça a duré peut-être un an, mais après un an, le taxi, ma femme m'a dit, regarde, en fin de semaine, ils en ont tué 2 qui étaient dans la valise. Là, tu vas lâcher ça. Ah, j'ai lâché le taxi. Mais là, ça me prenait un deuxième job. C'est là que je suis engagé comme deuxième travail, vendeur de balayeuse. Filter Queen. Ça,
c'est toute une expérience, je vous le dis. Quelqu'un comme moi, là, qui n'était pas le plus grand, le gars là, qui courait après les clients tant que ça, puis qui était un technicien bien ordinaire, là, car tu vas vendre des balayeuses. On m'a enseigné comment ça fonctionnait. Ça donnait 100 pièces la balayeuse. Je gagnais à ce moment-là à peu près 150 pièces par semaine. Puis, ça a donné que on m'avait ciblé comme il va être bon à vendre aux vieux, c'est plus facile. Puis moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les gens. Je suis proche des gens. Fait que c'est sûr qu'avec des gens plus âgés, bien, j'avais pas de misère à lui vendre une balayeuse qui n'avait pas de besoin à 50 pièces par mois pendant 6 mois, même s'il n'y avait pas de tapis. Parce qu'en passant, les gens qui nous prenaient des rendez-vous, ils ne disaient pas qu'on vendait des balayeuses, ils disaient qu'on vendait des purificateurs d'air. Alors, on rentrait avec notre purificateur d'air, 5 grosses boîtes, dans lesquelles, c'était tous des accessoires de balayeuses. Puis en rentrant, on demandait, bien, quelle odeur? Avez-vous les fraises? Avez-vous les framboises, les bleuets? On a toutes les sortes, tu sais, pour... Alors, c'est bien simple, on mettait une goutte de ce sambon-là, puis ça inondait la maison, puis... On faisait notre démo, mais la conversation qui durait peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, faisait en sorte que je connectais bien avec le client, puis je signais. J'ai arrêté de faire ça parce que j'ai dit, c'est du vol. Je suis malhonnête envers moi-même de vendre des choses comme ça à des gens qui n'en ont pas besoin. Fait que j'ai lâché ça. Puis là, je me suis concentré. J'ai dit, là, regarde, il faut que je passe à d'autres choses. Chez Xerox, il y avait un gars qui a une quarantaine d'années. Un gars comme... professeur Carrier, qu'on a déjà parlé, qui lui est tout un homme, quarantaine d'années, il dit, Claude, t'es pas fait de travailler pour le Bel, toi. Hein? Toi, là, parce qu'au Bel, ça fait 100 ans que la compagnie existe, on a fait de ce qu'on appelle des BSP, Bel System Practice. Tu poses une question à ton boss, il n'y a aucune initiative, il n'y a aucune créativité qui est possible là. C'est qu'il va voir dans le livre en arrière de lui, il sort, puis là, il donne la réponse, puis voilà, c'est ça. Fait que moi, là, dans un monde où ce que tu ne peux pas te développer plus que ça, regarde, je ne suis pas bien là-dedans. Alors, Peter Crook, pas Peter le voleur, Peter Crook, un bon garçon, m'avait dit, Claude, toi, là, t'es fait pour faire des affaires. C'est un anglophone, il savait que le business, c'était fait pour du bon, puis pas nécessairement juste pour les Anglais, qu'il y en avait d'autres, comme moi, qui pouvaient faire des affaires. Mais j'avais dit, Peter, moi, là, je connais le Bel, puis c'est tout, je connais rien d'autre, puis l'électricité, je veux rien savoir de ça. Il dit, non. Il prend le bottin téléphonique qui mesurait à ce moment-là peut-être 2 pouces d'épais. Il me dit, Claude, ouvre ça à n'importe quelle page. Retire-toi de l'annuaire, puis regarde de chaque côté. Peu importe la section dans laquelle t'es tombé, ça n'a pas d'importance. Il y a une entreprise pour toi. Toi, tu peux gérer une des entreprises, choisis-les là, dans la page gauche et droite. Tu peux réussir ta vie en faisant ça, des affaires. Ah oui. Fait que là, ça m'avait donné tout. Quelqu'un à qui j'avais confiance, que je connaissais depuis une couple d'années, qui me dit, moi, je peux runner une business. Ça tombe au même moment où ce que René Lévesque nous scandait bien haut, bien fort, que nous, les Québécois, on était bons, puis on était capables de faire des affaires, on était capables de gérer notre pays, on était capables de se bâtir des entreprises, puis que le gouvernement nous aiderait. On n'était pas fait pour un petit pain. On pouvait, nous aussi, nager dans l'abreuvoir ou réussir, nous autres aussi. Alors ça, c'est... Ça nous a été inculqué dans les années 72, 74, 75, 76, bravo, 76. C'est l'année où j'ai laissé tomber Xerox. Excusez-moi, j'ai laissé tomber Bel. Le boss, avant de partir, m'avait dit, Claude, ça se peut pas, tu lâches le Bel. On est 40 000 personnes qui sont heureuses. Comment ça se fait, toi, tu veux t'en aller? Bien, j'ai dit, peut-être un... 40 000 heureux, mais il y a un malheureux, puis c'est moi, puis mon tour est fait, je m'en vais. Salut, bonsoir. Je suis parti parce que 6 mois auparavant, un gars qui est nommé Pierre Lafrance, qui était venu travailler, qui venait de chez Xerox, il était venu travailler chez Bel, parce que son copain il avait dit, viens-t'en chez Bel, on est bien, puis ça roule, tout ça.
J'ai dit, Claude, il n'y a rien à faire ici. Viens-t'en avec moi chez Xerox. Il m'avait vanté beaucoup la compagnie Xerox, dans laquelle il avait travaillé 5-6 ans. Puis je ne sais pas trop pour quelle raison il avait laissé revenir. Il dit, je retourne là-bas. Fait, je retournais avec lui. Mais là, j'avais ce que je voulais, là. Travailler sur la Rive-Sud. Mon boss m'avait dit, travaille comme si... Léo Yvon m'avait dit, travaille comme si l'entreprise t'appartenait. Comme si Xerox t'appartenait. Talk, 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 talk. Ça a rentré, puis ça n'a jamais ressorti de là. Alors, j'ai travaillé pour Xerox. Puis là, contrairement aux Belles, où on voyageait en train sur des formations à Toronto ou à Belleville, mais là-bas, on prenait l'avion, puis on s'en allait à Leesburg, à Virginie, puis on s'en allait à Washington, puis on voyageait en avion, puis regardez, il y avait 1500 étudiants en même temps dans un complexe à Leesburg où Xerox nous enseignait. Fait que j'ai eu une belle expérience. Puis là, chez Xerox, je travaillais 8 heures, 7 heures et demie par jour, payé pour 8, parce que c'était pas difficile. Je n'étais pas le meilleur technicien au niveau compétences, parce que je n'étais pas vraiment le meilleur, sauf qu'on avait du support, les autres pouvaient venir nous aider, il y avait des spécialistes. Par contre, pour travailler avec les clients, pour rendre les clients heureux, ben moi, j'étais le meilleur, je dirais. Les clients n'avaient jamais de problème avec moi. Je m'entendais toujours bien avec eux autres, je comprenais leurs problèmes, je m'ostinais pas, je faisais ce qu'ils voulaient, le client a toujours raison, le client d'abord. Assez que pendant les 3 années qui ont suivi, ben j'ai gagné un voyage, une croisière, à partir de Miami, à descendre jusqu'en Amérique du Sud. L'année d'ensuite, j'ai gagné un voyage à Rome avec ma femme puis tout le kit, puis toute la gang des champions. Et puis, la troisième année, bien, j'allais à Hawaï, mais j'ai dit, regarde, on arrête ça. Laisse faire Hawaï, moi, je m'en vais partir à mon compte. Je réussis bien pour vous autres, alors je suis capable de réussir, moi, dans mes affaires. Alors, je partais avec une assurance assez extraordinaire. J'avais été comme un des meilleurs chez Xerox, chez Bell dans un premier temps, un des meilleurs chez Xerox. L'avenir m'appartenait. J'étais pour réussir en affaires. Alors ici, pour la petite histoire, on est à Notre-Dame-de-Ham. Les 5-6 derniers mois chez Xerox, mon frère m'avait demandé, il dit, garde, Claude, viens-t'en avec moi à Notre-Dame. J'ai une petite entreprise de récupération d'animaux morts ici. Et puis, tu vas sortir un permis au ministère de l'Agriculture. J'ai le contact de M. Boulay, sous-ministre à l'Agriculture, qui, lui, ça c'est le bon gars pour nous permettre de désosser les animaux. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1976, il y avait eu la SECO, où ce que il était défendu dorénavant de débiter des animaux morts qui avaient été récupérés sur les fermes. C'était vraiment pour le fondoir, puis il n'y avait pas d'autre alternative que ça. Alors, pendant 6-7 mois, j'ai travaillé par les soirs, les fins de semaine, avec faire de la paperasse pour le gouvernement, pour sortir le permis d'équarissage. Puis en fait, au mois de février 80, ça a été accordé. Il nous avait dit, il va y avoir 4 entreprises, 4 abattoirs à travers le Québec qui vont pouvoir le faire. Une à Valleyfield, une à Québec, une à Saint-Germain, puis une autre à Notre-Dame-d'Am. Alors, je suis arrivé ici au mois de mars 80, gonflé à bloc, 85 000 pièces d'hypothèque à 23 % à la Caisse d'entraide économie de Boucherville. On était parti pour la Gloire avec un plan d'affaires de 100 000 pièces par année de salaire. On venait de partir pour la Gloire. Alors, on est arrivé ici. Il y avait beaucoup de rénovations à faire pour s'ajuster à ce à quoi le gouvernement voulait que ce soit. Je vous dirais qu'ici, en dedans, là, c'était aussi propre qu'un abattoir de viande comestible quand on a fini. Par contre, on avait tout le temps un inspecteur à plein temps qui était ici, puis il vérifiait qu'est-ce que les barils, ils sont-tu corrects, ils sont-tu propres, puis on met du liquide noir dessus pour le noircir, pour jamais qu'il retourne sur la consommation. Puis là, ça roulait. Ah, ça roulait, on fournissait pas à la demande. Donc moi, j'avais fait une petite un plan d'affaires pour aller voir les renardières, les gens qui ont des zoos, les éleveurs de renards,
Renardette. Tout ce monde-là, les éleveurs de visons, tu vois ces gens-là, puis la demande était très, 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 très forte. Alors, on fournissait jamais. Achète un plus gros camion, engage un plus de monde, agrandit l'abattoir. Dans l'espace de 2-3 mois, là, ça allait vite, puis on fournissait toujours pas. Le soir, on partait, on allait domper notre rendering, qui appelle notre viande vraiment non comestible, à Québec. On revenait dans la nuit, je me couchais. Cette période-là, pendant 4 mois, j'ai perdu 40 livres. Attention, 40 livres, je me trompe pas. On va dire que ça n'aurait pas été grave si ça avait marché. Mais là, quand le ministre, c'est-à-dire le sous-ministre, a réalisé qu'on ne fournissait pas, bien, il a dit, on va en ouvrir d'autres. Alors là, on est parti de 15 cents la livre qu'on vendait, 12, 10, 8 cents la livre. Ça s'appelle, on vire à zéro. Là, fucké bien net. Moi, ma femme est encore à Longueuil, dans la maison. Moi, je demeure chez mes parents pendant cette période-là, en attendant de vendre la maison, m'acheter quelque chose par ici. J'ai toujours voulu revenir en campagne. Mais là, le projet n'avait pas marché. Je suis parti d'ici avec une hypothèque de 85 000 à payer, que mon frère continuait l'opération, puis qu'il payait. Puis qu'il venait à vous trouver quelqu'un qui m'a racheté pour me débarrasser de ça, puis voilà. Mais là, j'avais 32 ans. Back to square one. On recommence à zéro. Moi, un champion, Caroline Devine, je retourne, j'ai dit, je vais retourner chez Xerox, j'ai pas le choix. 80, c'est la récession. On ne peut pas te reprendre, Claude. On peut pas te reprendre. Tout. Alors, ça fait en sorte que pas de job chez Xerox. Au bel, Claude, ça fait 6 ans que tu es parti d'ici. 5 ans que tu es parti d'ici. On engage des plus jeunes, ça coûte moins cher pour être en récession. Plus de job. Là, j'étais vraiment démoli. Vraiment à zéro. 32 ans, moi, le meilleur que j'avais réalisé partout ce qui s'était passé, ça a été champion. Mais là, je me réveille devant zéro, compte de banque vide. Là, ce méchant coup du reculon. Alors, ça a fait en sorte que... Là, j'ai promené mes petits gars 5 ans, 7 ans. Je promenais autour du parc en flappant la balle de ping-pong à terre tranquillement, en marchant, démoralisé un peu, down. Puis là, j'ai dit à Zéra, regardez, j'étais bon, moi, là. J'ai-tu espoir d'y retourner? Bien, rappelle-nous à tous les mois. Alors, au mois d'août 80, quand que ça a été le temps de la troisième conversation que j'avais avec eux autres, j'ai dit, si vous ne m'engagez pas, là, le 15 septembre, je pars à mon compte. Je pars à mon compte. En compétition contre vous autres. Naturellement, le boss a parti à rire à l'autre bout. Vas-y, monte l'autre. Vas-y, laisse-toi aller. Parfait. Mais là, j'ai commencé à me minder comme un tueur. Vous allez voir, vous autres, à qui vous allez avoir affaire. Là, j'étais déterminé pour... Il va se passer quelque chose. Ça se peut pas que moi, on m'aille virer à l'envers demain. Alors... Le 15 septembre, j'appelle. Tu me prends-tu ou tu me prends pas? Je te prends pas. Parfait. Salut. Descends dans la cave, me ramasse un coffre d'outils. Je ramasse un coffre d'outils, puis je pars rencontrer les 60 clients que j'avais sur la Rive-Sud. Bonjour, monsieur le notaire. Bonjour, monsieur l'avocat. Bonjour, monsieur le comptable. C'est moi qui s'occupais de votre... Ben oui, tu reconnais l'autre, pas de problème. Je charge 27 pièces. 27 pièces du call à la place de 60 chez Xerox de l'heure. Moi, 27 pièces du call. 1 heure, 1/2 heure, 3 quarts d'heure, 2 heures, pas de problème. Alors, on m'a dit, parfait, tu viendras. Le téléphone s'est mis à sonner chez nous comme jamais il a sonné. Ma femme répondait, ça a l'air qu'il y a eu des problèmes, l'autre a des problèmes. Alors, je me suis mis à travailler là comme un bœuf. Puis là, on fait ça à partir de la maison. Alors, on se trouve présentement en avant du 26-17 Oxford, à Longueuil, là où j'ai passé 30 ans, là où j'ai élevé mes deux gars, naturellement avec ma femme qui était femme à la maison, qui s'est occupée de faire en sorte qu'on réussisse bien la famille.
Ben ici, c'est une maison que j'ai bâtie en 1971 avec mon oncle Yvan Perrault. Fait que c'était mon premier gros contrat, en fait, pour moi-même, bâtir cette maison-là. Ici, c'est l'endroit où, ce que, en 1980, je suis revenu de mon expérience chez CF Landlois et Frères. Mauvaise expérience, mais quand même, c'est une expérience. On retient toujours du positif, quelle que soit l'expérience qu'on vit. Juste pour se mettre en contexte un petit peu, en 1980, Xerox, ça faisait 20 ans qu'il y avait un brevet pour le papier xérographique, pour du papier ordinaire, mais ça finissait. Alors, à partir de ce moment-là, de 1980, là, au moment où je commence en affaires ici, ça m'a permis de m'approvisionner de copieurs Xerox, de dealers Toshiba, Panasonic, tous les Chinois ou les Japonais, surtout dans ce temps-là, qui étaient là, de m'approvisionner en pièces d'équipement puis en machines. Souvent, je prenais une machine que j'achetais, mettons, 250 pièces, je la scrapais pour les pièces, ça me faisait des pièces pour rouler. Alors, c'est ici que, le 15 septembre 1980, j'ai dit, ben regarde, Zéro, vous ne me prenez pas, ben je pars à mon compte à partir d'ici. Deux jours après que j'ai eu fait ma publicité, les appels rentraient, puis rentraient, puis rentraient, et puis ça n'a jamais lâché. Ça fait en sorte que, au bout de trois, quatre mois à réparer des copieurs, bien, il y a des gens qui m'ont demandé, tu peux-tu en avoir? J'aimerais ça en acheter un copieur, Xerox 660, mettons. Oui, bien oui, certainement. Alors, c'est là que j'ai vendu mes premiers photocopieurs. Je ne savais pas que je pouvais vendre d'équipement à ce moment-là. Je me considérais toujours comme un technicien, mais j'ai réalisé que j'avais une approche avec les clients qui faisaient en sorte qu'ils me faisaient confiance et puis ce que je leur proposais pouvait faire leur affaire, faisait leur affaire aussi. Alors, les premiers clients que j'ai eus, bien, je présentais les machines. Souvent, je les amenais ici. Je les faisais descendre au sol. Je montrais les trois ou quatre différentes machines que j'avais. Ils faisaient leur choix, puis je livrais. Sauf que vous comprenez que dans un quartier résidentiel comme ici, bien, ça faisait un peu cow-boy, mon affaire. Fait que c'est ce qui a fait qu'éventuellement, bien, j'ai dit, regarde, on va déménager sur le chemin Chambly. Et puis... c'est ce qui est arrivé au début de mars de 81. Ici, les plus beaux souvenirs que je peux me rappeler, c'est les premiers copieurs que j'ai vendus. Je me souviens, entre autres, un des premiers que j'ai vendu, c'était Alain Quintal, un brocanteur, un encanteur, un gars qui avait tous les métiers, un vendeur de fleurs, quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Et puis... j'avais été à Boucherville, à son entrepôt, et puis j'avais présenté un copieur, puis j'avais fait un prix, puis il a dit « OK, ça marche! » C'est sûrement un des premiers, parce que ma femme se souvient, comme moi, que l'argent qu'il nous avait donné pour le copieur, on a été faire l'épicerie. Ça veut dire qu'il était temps qu'il se passe quelque chose. Alors voilà, puis je garde un bon souvenir, parce que Alain, après 40 ans et plus, bien, c'était encore un de mes meilleurs amis, qui est maintenant une grande entreprise de plusieurs millions de dollars qui gère. Alors, on est parti d'ici, c'est-à-dire pour la business, d'ici pour s'en aller sur le chemin Chambly, au 2220 chemin Chambly. Alors, nous voilà sur le chemin Chambly à Longueuil, une artère principale. Une artère qui est faite pour les petits commerçants comme moi à ce moment-là. Alors, c'était tout un move à faire, mais on l'a fait. Alors, ma femme et moi, on vient s'installer ici au 2220 chemin Chambly, un petit local de 11 pieds de large par 10 pieds de profond. C'est ici qu'après deux semaines, ma femme a dit, regarde, moi, là, ça me stresse trop sur le chemin Chambly. Puis j'avais aussi apporté un copieur pour partir un genre de petit centre de copie pour m'aider à payer le loyer de 300 pièces par mois. Alors, j'avais un petit copieur ici que ma femme faisait les copies. Et puis, ça a été souvent mêlé avec ça, elle n'aimait pas ça. Puis, au bout de deux semaines, elle a dit, regarde-moi, là, je ne veux pas travailler ici, là, c'est pas ça que je veux. Alors, j'ai dû me trouver quelqu'un rapidement. J'ai trouvé une petite fille qui s'appelait Danielle Lévesque. Puis, elle avait 15 ans et demi. J'avais connu parce qu'elle était voisine de chez... ses parents étaient voisins de mon frère à Saint-Hubert, ici.
Alors, elle, c'est elle qui a commencé à travailler avec moi à 15 ans et demi. Et puis, on a passé des soirées puis des fins de semaine ici à produire des jobs de copie que j'avais ramassés. J'avais été sur le terrain puis ramassé des clients. Entre autres, Rona, un de mes plus gros clients qu'on a développé dans le temps. Mais tout ça a commencé ici. C'est aussi ici que des gars comme Gaétan Charon, qui était un vendeur et venu travailler avec moi, mon cousin Alain Leclerc a commencé à travailler ici. Pierre Lafrance, technicien qui est venu avec moi de mars 81 jusqu'en 83. Ça a été notre endroit qu'on a commencé à développer à partir d'ici. Il faut bien comprendre qu'on a commencé avec 11 par 10, puis après ça, c'est-à-dire 10 par 11. Après ça, ça a été un autre 10 pieds, puis après ça, un autre 10 pieds, puis après ça, un autre 10 pieds. Fait qu'on avait 40 pieds. Puis quand ça a été plein, on a déménagé au bout, où ce qui était la réserve ou l'entrepôt de Raphaël Pizzeria, qui était mon propriétaire, qui était toujours découragé de voir à quelle vitesse que j'allais, puis tout le temps prendre l'espace. Fait que on s'est rendu à peu près à moitié du local de l'autre côté pour finalement dire il n'y a plus de place ici, il faut déménager. J'avais prévu le coup peut-être en dedans de 3, 4, 5 mois. Alors j'ai dit on va déménager, puis on fait assez des bonnes affaires pour se payer un building, une place à nous autres, qu'on va avoir pour longtemps. Alors c'est ici qu'on a dit voilà, après 2 ans et demi. Notre tour était fait au 22-20 chemin Chambly. On s'en va au 20-30. On déménage là-bas. Alors, nous voilà au 20-30 chemin Chambly à Longueuil. Ici, originellement, c'était une maison, où ce qu'on vendait de la nourriture pour chiens, pour chats. C'était assez délabré, mais je l'ai acheté quand même parce que j'avais une vision de la rénover, faire quelque chose comme ce que la devanture a de l'air, puis le deuxième étage comme ça. Parce qu'il faut dire que c'est un toit pointu. Alors ici, là, on débute une histoire assez intéressante. Le centre de copie qu'on avait au 20-30, au 22-20 chemin Chambly, bien, était rendu pas mal plus gros. On a acheté de la plus grosse équipement. Puis on a fait rentrer une personne qui s'appelle Sylvie Lemaire, au service à la clientèle ici, répondre au comptoir. Les messieurs, madame, tout le monde se présente ici, besoin de 20 copies, 50 copies, 200 copies. En tenu que c'est commercial, bien, il y avait des commerçants qui venaient faire des affaires ici, puis ça allait ça très bien développé ici. Si on parle un peu du building, bien, il était vraiment, là, la largeur que vous voyez ici, là, c'était la longueur à peu près qu'il y avait originellement. Je me suis pris un locataire au début, M. C. Je me souviens encore de lui, un agent d'immeuble qui était au deuxième étage. Et puis, ici, les affaires commençaient à aller beaucoup plus rapidement. Là. On commençait à faire des ventes, puis le million de chiffre d'affaires, là, on l'avait sauté. Là. Ça roulait vraiment... C'était très intéressant. Alors, à un moment donné, il n'y avait plus de place ici, encore une fois. Alors, ce qu'on a fait, c'est que... J'ai engagé des gens de Notre-Dame-de-Ham, les petits Leclerc, qui m'ont creusé la cave ici. Il n'y avait pas de cave dans cette portion-là qui mesurait peut-être une trentaine de pieds. Bien, tout le fond de ça, bien, à petite pelle, avec un convoyeur pour sortir la gravelle, ou c'est-à-dire la terre en dessous, bien, ils ont fait ça au pic-papel. Il était de bonne heure le matin. J'étais là avec eux autres pour regarder comment que ça se traçait dans la journée. Mais dans l'espace de... deux mois et demi, on a fini aux fêtes. Je me souviens, on a fini dans le temps des fêtes. À tout vider ça, puis se faire un espace pour stocker du papier. Parce que là, on commençait à recevoir du papier presque à la vanne. Là. Peut-être pas une vanne complète, mais à moitié d'une vanne assez régulièrement. Mais descendre ça dans le cave, monter ça, c'est pas drôle, ça. Là. Suite à ça, on a fallu encore agrandir. Alors, j'ai eu l'idée d'acheter une roulotte de chantier, 12 pieds par 60 pieds. J'ai parqué ça ici en arrière. Ça n'a pas été long que la ville de Longueuil est apparue. Ben, je dis, regardez bien, là, ça ne marche pas des roulottes en arrière des maisons, des propriétés ici. Là, on oublie ça, ça ne se fait pas.
Alors, naturellement, ben j'ai dû me conformer. On a scrappé ou vendu, je me souviens pas, la roulotte de chantier. Puis, même si on est installé à l'intérieur, il y avait des machines à l'intérieur. J'avais deux quarts de travail ici, de jour puis de soir. Alors, ça a fait en sorte que là, il faut remplacer ce qu'on a présentement par une nouvelle bâtisse qui va ressembler à toute cette extension-là. À partir d'ici, bien, du bas de l'escalier à peu près, il va falloir faire 109. La Ville accepte ça qu'on fasse 109. Mais si on fait 109, la Ville veut qu'on ait du stationnement. Alors, pour avoir du stationnement, j'ai dû acheter une bâtisse, comme vous voyez, une bâtisse en avant là, qui était ici, ce qui est le stationnement, puis qu'on a démoli. Hop! Alors, entre le moment qu'on a fait la construction, on a pris les pièces d'équipement puis le personnel déménagé dans la maison, le temps de continuer à faire d'autres travaux. Puis mon frère Pierre est venu avec quelqu'un d'autre finaliser toute l'extension que vous voyez ici. Fait que là, on avait le stationnement, puis on avait cette super belle bâtisse-là, comparé à ce que c'était originalement. Alors ici, c'est de 83 à 88. Cinq belles années. Il faut dire à ce moment-là que Daniel Lévesque, là, ma petite fille de 15 ans et demi du début, avait pris le contrôle pas mal de l'organisation parce que c'était... Moi, j'étais surtout sur la route. Mais c'est elle qui gérait la boîte. Là, puis Daniel avait quand même un caractère assez spécial. Puis c'était pas toujours facile pour les employés. Puis quand les employés se plaignaient d'elle à moi, ben je venais à bout de trouver un compromis entre les deux parce que Daniel était une personne assez exceptionnelle. Vraiment, là, autodidacte comme ça se peut pas. On est au temps où ce que les premiers ordinateurs qu'on appelle les Apple II, là, au début, bon, ben garde, j'ai été chercher un professeur du cégep qui est venu ici, puis il l'a entraîné, puis il m'a dit à un moment donné, il dit, regarde, j'ai une vingtaine d'élèves au cégep, mais il n'y en a personne qui est comparable à ce que Daniel peut recueillir comme information, garder, puis évoluer. Elle a fait ses devoirs, puis vraiment. Alors, c'est elle qui a informatisé l'entreprise, c'est elle qui a géré l'entreprise au niveau du personnel, au niveau des finances. J'ai jamais... La confiance était là, là. On travaillait d'une façon en confiance. La confiance était totale, était là. Puis moi, je dis souvent, blague, c'était ma patronne. Daniel aimait tout le temps savoir ce que je faisais, où ce que j'étais, qu'est-ce que j'avais dit. J'étais vraiment curieuse de s'assurer que tout était à l'ordre. Mais on faisait des super de bonnes affaires. Alors, après tous ces moves-là, pendant 4-5 ans, bien, il est arrivé à un moment donné, j'ai dit, bien, à un moment donné, il va falloir agrandir encore. Moi, j'avais comme philosophie, là, regardez, les amis, les clients, ils nous payent, j'en prends une partie, puis le reste, je vous le donne. Fait que votre paye, elle vient plus des clients que de moi, on s'entend? Puis les gens étaient très dédiés au travail. Franchement, là, j'ai eu les employés du début, plusieurs sont restés jusqu'à la fin, 20 ans plus tard, des gens vraiment dédiés qui me faisaient confiance, en qui j'avais confiance, et puis on a fait beaucoup, beaucoup de travail ensemble. C'est aussi malheureusement l'endroit où, après avoir travaillé pendant 3 ans dans mon entreprise, à partir de chez nous, 22-20, je me suis envoyé puis ici, je travaillais tellement, parce que la business était tellement bonne que je me disais, ça ne durera pas. On était dans les années 80-83, c'était le temps de la récession. Moi, j'étais dans un milieu où on vendait des copieurs usagés. Fait que usagés, dans le temps de récession, ça va super bien. Mais c'est là que je me suis brûlé, à travailler 16 heures par jour, 7 jours par semaine, tout le temps, la pédale sur le métal. Il n'était pas question que j'arrête ce beat-là. Mais à 35 ans, à un moment donné, là, je commençais à perdre le ballon. Là. On s'entend que la machine était vraiment stallée. Ce qui est arrivé, c'est que pendant que je bâtissais mon chalet à Inverness, pendant cette période-là, bien, j'ai tombé en burn-out, ce qui n'était pas connu dans le temps.
Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, je n'étais plus capable de... J'avais plus faim, je voulais plus manger, j'avais pas d'appétit, je ne mangeais plus. C'est ma soeur qui est venue me chercher avec un camion, puis il m'a emmené à l'hôpital Charlemagne, où ce que j'ai passé 3 jours aux soins intensifs, sur haute surveillance, à savoir qu'est-ce que j'avais. Parce que j'avais pas de mal nulle part, précisément, mais j'étais mentalement, puis les bras, là, regarde, c'était... Ça bougeait plus. Fait que ça a été cette époque-là. Puis quand c'est arrivé, naturellement, le dimanche que le docteur a dit « Allez vous reposer chez vous, M. Langlois, il n'y a rien qu'on peut faire. » C'est là que j'ai dit à Daniel « Viens ici, apporte-moi une pile de chèques. Je vais t'en signer tant que tu en auras besoin. Puis occupe-toi de la business. Roule, roule, puis roule. » Je ne m'intéressais pas à savoir ce qui se passait trop. Ça ne m'intéressait pas parce que je suis complètement « out ». Difficile expérience, mais la meilleure expérience pour apprendre à déléguer. J'ai réalisé pendant que mes 6 mois de convalescence à la maison à écouter The Price is Right, puis entre le divan, puis la table à dîner, puis aller se coucher, il n'y avait pas d'autre activité que ça. Ça me permettait de penser, de dire, mon problème, c'est quoi? En fait, mon problème, c'était... J'en voulais, je ne sais pas à qui, à tout le monde comme à personne, d'avoir manqué mon coup à l'abattoir. Et puis j'ai dit, gars, ça n'arrivera plus jamais, là, je vais me battre à mort. Puis... Mais là, je pense que j'avais été trop loin dans ce qu'un corps humain peut fournir comme énergie. Alors Daniel s'est occupé de ça. Puis quand je suis revenu, j'ai dit, gars, à partir de maintenant, où est-ce que... Je vais me rendre indispensable. Ça veut dire, pas indispensable, le contraire, justement. C'est, je suis pas là, puis ça marche pareil. Fait que j'ai engagé d'autres mondes pour me remplacer. Puis j'ai réalisé que d'autres mondes étaient aussi bons que moi. Michel Giroux, entre autres, qui est passé ici dans l'organisation, qui venait d'une entreprise de Disney, là, comme Rona. Des gars qui avaient de l'expérience dans le milieu. J'ai réalisé que des gars de même, c'était aussi bon, sinon meilleur que moi dans son domaine. Alors, c'est ça qui a fait passer l'entreprise de peut-être d'une quinzaine d'employés qui ont été ici à un certain moment donné à jusqu'à 225 à un moment donné. Je reviens au fait qu'après 4-5 ans, ça va nous prendre une autre place, éventuellement. Tu sais, au niveau de la planification, mettons qu'il me restait à peu près 6 mois, qu'il fallait que je me trouve à une autre place, un an ou plus, il fallait que je me trouve à une autre place, parce que là, les commandes grandissaient, de plus en plus de monde, et puis il fallait que ça bouge un petit peu. Alors, je me suis mis à la recherche, compte tenu que j'avais eu du succès avec ce bâtisse-là, au niveau de la rénovation, j'avais aimé l'expérience, et puis faire affaire des fournisseurs, la construction, c'est quelque chose que, regarde, j'aimais ça, faire ça, ce genre de métier-là. Alors là, je me suis cherché un terrain, encore là sur le chemin Chambly. Puis là, on patrouillait, là. Je me souviens aussi dans cette période-là, avec les petits gars, là, ils embarquaient le dimanche matin dans l'auto. On descendait le chemin Chambly jusqu'en bas, puis on remontait ça jusqu'à l'aviation à Saint-Hubert. Puis je leur demandais, regardez qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à la semaine passée. Y a-tu des places qui sont marquées à vendre? Y a-tu des places que un terrain vacant? Y a-tu des places que... Alors, on faisait ça le dimanche matin. Souvent, il y avait des choses, des fois, il n'y avait pas. Entre autres, on a trouvé une bâtisse ici qui était à vendre. Le lundi, je suis allé voir le gars. On a fait des affaires. 3 mois après, j'ai revendu la place et puis ça a été fini comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai développé la passion des affaires. Alors, ça, c'est notre maison de 83 à 99 ici. Notre maison de Saint-Paul, qu'on appelle. C'est ici que j'ai acheté ça en 1983 parce que j'ai tout le temps voulu revenir dans mon coin de pays. On est à peu près à 2 minutes du village de Notre-Dame. Alors ça me convenait. Puis la raison pourquoi j'ai acheté ça, bien, c'est que dans les années 83, mon affaire allait bien. Et puis, on avait de l'argent, de l'eau assez pour me permettre de me payer cette propriété-là, qui était en faillite à ce moment-là. C'était un éleveur de porc qui avait eu ça ici, puis ça ne fonctionnait plus. Puis, bon, on rachetait à faillite. Et puis, c'est comme ça que... Puis, je voulais aussi que
mes gars qui avaient 9, 12 ans, 9, 10 ans, 11 ans, apprennent à travailler sur une terre. Je disais souvent en joke, je voudrais que mes gars savent faire la différence entre un marteau et une aiguine. C'est important pour moi qu'ils connaissent les valeurs de la terre, puis c'est quoi le travail. En fait, répétez un peu ce que moi j'avais connu. Ça m'avait bien servi, alors je voulais qu'ils connaissent cette expérience-là. C'était une vieille maison centenaire, à ce moment-là, elle était blanche. Le nouveau propriétaire, en 2000, a changé de couleur. C'est une maison qui demandait beaucoup de réparations. Alors, mes gars en ont eu pour leur argent ici. Ils ont travaillé beaucoup à m'aider, soit dans le garage ici, soit m'aider dans le sous-sol pour réparer les grosses briques qu'il y avait là, à tondre le gazon, à faire les foins. J'avais aussi dans cette grange-là, à un moment donné, une quinzaine de vaches, un cheval, une chèvre. On descendait pratiquement toutes les semaines, toutes les deux semaines au plus tard, on venait en campagne. J'avais mon chien qui s'appelait Champion. Ça a été des belles années. On a fait des parties de famille ici, comme ça se peut pas. On s'est amusé comme des enfants, des grands-enfants de 40 ans. C'était mon 40e anniversaire ici, dans ce garage-là. Il est arrivé tellement d'histoires ici, là, ça serait trop long à commencer à tout raconter. Mais c'est d'excellents souvenirs. Ce qui s'est passé ici, là, ça prenait ça pour me combler. Puis je l'ai eu. Puis on n'a pas, les gars, encore un bon souvenir de cette période-là. Puis je pense que dans leur vie aussi, ça l'a fait une différence. Ils savent maintenant travailler de leurs bras, puis quand ils sont mal pris, ils se déprennent. Puis je pense que ça vient du fait qu'ils ont travaillé sur cette terre-là. On avait aussi une cabane à sucre en haut, 500-600 ans tard, le printemps. C'était notre travail de récupérer l'eau, faire bouillir, puis amener les employés de la ville, les employés de Montréal. Venez-vous-en ici, on fait un party. Ma femme préparait à manger ici en arrière, dans la maison. J'étais très grand, il y avait une quinzaine de chambres dans cette maison-là. Alors, c'était un endroit où ce que j'oublierai jamais. Pourquoi on a vendu en 2000, c'est que là, je tombais tout seul. Mes gars étaient rendus assez vieux que ça les intéressait moins. Les blondes étaient plus présentes et puis il y avait moins le goût de revenir à la campagne. Je tombais tout seul à faire des travaux qu'il y avait à faire ici. J'ai vendu puis on a bâti quelque chose de flambant neuf à Notre-Dame-de-Ham. Mais ce que je retiens ici, c'est que je suis retombé un peu dans mon enfance où ce que c'était moi le boss. C'était moi qui... c'était pas mon père qui nous disait « fais ça », c'était moi qui disait « petit gars, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Fait que c'était une belle expérience de vie. Vraiment rien à regretter du temps qu'on a passé ici. Mais je pense que c'est un autre détour qui est important à faire. Alors ici, on est au 830 chemin Chambly à Longueuil, CopyLab. Ça, c'est un centre de copie commercial de toutes les la douzaine que j'ai acheté dans le temps. Comme centre de copie, c'était mon meilleur, ça ici. Ça, j'avais acheté ce bâtisse-là d'un monsieur qui vendait des pièces automobiles, M. Vanderbroek. Je me souviens, il avait sa grande chaise berçante, puis... J'avais été le voir avec mon agent d'immeuble, Fred Nardelli, puis j'avais demandé, « C'est à vendre, ça, ici? »« Ouais, bien, si t'as de l'argent, mon homme, oui. »« Bah, bien, regardez bien, je vais vous demander. »« 350 000, mon jeune homme. »« OK. » Bien, j'ai dit, « Ça m'intéresse. » Parce que moi, de cette vieille bâtisse-là, mon idée était de la transformer pour faire compétition à mon voisin d'en face ici, CopyLab. CopyLab ici était anciennement CopyLab là-bas qui appartenait à M. Nick Leblanc, que sa femme opérait le centre de copie là-bas. Moi, je savais qu'en m'installant sur le coin ici, son stationnement puis mon stationnement, bien, les clients nous verraient puis les copies, ils seraient à 1,9 cents, alors qu'ils étaient à pratiquement 5 sous l'autre bord. Je savais que j'étais pour l'éteindre en achetant ici. Mais avant de l'éteindre, j'avais demandé « C'est-tu à vendre? » Il m'avait dit « Oui, mais son prix à 400 000 $ », c'était hors, complètement out. Là. Ça valait même pas 200 000 $. Alors,
Le monsieur, il veut... Je confirme que je veux l'acheter à 350 000, puis il dit « Ah, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. » Alors, je dis à mon agent d'immeuble, Fred Nardelli, je dis « Fred, là, j'aimerais ça plus te revoir tant aussi longtemps que tu ne me reviendras pas avec une contre-offre de, sur cette bâtisse-là. Le prix n'a pas d'importance, je la veux. Point. » Alors, j'ai été 2 mois sans le voir, puis Fred est venu à bout de convaincre le monsieur de me faire une offre que j'allais refuser. 2 mois après, Fred se présente à mon bureau et dit « Claude, voici l'enveloppe, j'ai une offre pour toi. » J'étends ça avec ma main sur mon bureau et dit « C'est accepté. » Mais Claude, tu ne l'as même pas ouvert, tu ne peux pas savoir. Non, non, c'est accepté. Je vais l'ouvrir par me faire plaisir, de faire plaisir, mais c'est accepté. J'ouvre l'enveloppe. Avec la commission, ça va coûter 500 000. C'est réglé. On va l'acheter. C'est là que j'ai réalisé que la valeur d'une propriété, c'est pas nécessairement la valeur marchande. C'est la valeur qu'elle vaut pour toi. Pour moi, cette bâtisse-là faisait en sorte que je ramassais le centre de copie là-bas, que je connaissais pas mal le volume, qu'on était les deux seuls à faire de la copie couleur sur la Rive-Sud. On est parti d'une pièce à 95 cents, à 80 cents, à 75 cents. Regarde, on n'en finissait pas. Alors, si je mets la main sur les copies, on va contrôler, on va contrôler les copies ici. Alors, il est obligé d'accepter. Il a accepté l'offre. J'ai accepté l'offre, c'est-à-dire que le monsieur, même s'il ne voulait plus vendre même à 500 000, bien, c'était fait, et puis done deal, puis il ne restait pas qu'à passer chez le notaire. On est passé chez le notaire. Et puis, j'engageais des ouvriers pour changer tout le look de la vieille bâtisse. On verra plus tard sur des photos l'avant et l'après. C'était une très belle bâtisse aujourd'hui, comme au moment où je l'ai fini. Okay. Puis ça n'a pas été trop long, en dedans 2-3 mois. Puis ça s'appelait, ici en avant, pas CopyLab à ce moment-là, ça s'appelait Copy KO, Copy Knockout. Il ne trouvait pas drôle de l'autre côté. On livrait, tout le monde était habillé en veston, cravate, bretelles, tout, avait tout un kit. Puis le centre de copie ici s'est mis à marcher là, sans bon sens, ça roulait. Assez que j'ai manqué encore d'espace. Le deuxième étage, comme au premier, c'était plus assez grand au bout de. Puis là, on parle des années 94, là, hein? Le moment où j'ai acheté. Fait qu'on a. J'ai été voir le monsieur qui est ici à côté, il doit vendre, un vieux monsieur retraité, 75 ans à peu près. Il a dit oui. Comment vous voulez? Il me fait son prix. J'accepte. Alors j'ai fait le lien entre les deux bâtisses. La jointure entre les deux, là, c'est moi qui ai fait ça pour avoir accès, pour développer le centre de copie à l'intérieur ici. Lui, il restait comme locataire au deuxième étage. Puis mon gars, Stéphane, il était en appartement avec sa blonde. Fait que j'ai dit, tu veux-tu? On va acheter le petit bloc à côté, puis tu resteras là, tu vas être à côté du centre. Fait que Stéphane a resté là pendant, je dirais, peut-être un an ou deux qu'il est resté. Fait que j'avais le 810, le 820, puis le 830 chemin Chambly. Fait qu'ici, ça a été une petite fille qui s'appelait Sylvie, Sylvie Lemaire, qui était du début, qui a été ma gérante de la place, qui a fait en sorte que c'était un succès. On avait un service à la clientèle impeccable, on avait de l'équipement à date, on avait des beaux locaux, on avait tout ce que ça prenait pour réussir. Puis pour moi, je venais ici une couple de fois par mois, saluer les petites filles, les gars qui travaillaient ici, saluer, puis ça marchait tout seul, c'était profitable sans bon sens. Alors, c'est un centre qui me rappelle juste du bon temps. Ici, là, j'ai fait... une belle période, de 1994 à 2002, au moment où j'ai vendu l'ensemble de l'entreprise. Alors, plein de bons souvenirs ici. Et puis, voilà, on vient de passer en avant du 810, 820, 830 chemin Chambly.